c'est la quatrième fois que je viens à la World Policy Conference et je viens à chaque fois parce que je trouve vraiment passionnant la confrontation des points de vue. C'est assez inhabituel pour moi d'entendre les points de vue à la fois russes, chinois, du Moyen-Orient, etc. dans un seul endroit. Et ça, c'est très enrichissant, surtout avec des experts d'aussi haut niveau. Et le deuxième élément, c'est qu'on traite de sujets qui ne sont pas nécessairement dans ma zone de compétence habituelle, que ce soit la cybersécurité, les enjeux monétaires, les enjeux juridiques, etc. Et d'avoir tous ces sujets traités de manière cohérente en un seul endroit avec des perspectives différentes, c'est extrêmement enrichissant et passionnant pour moi. Je travaille en Afrique maintenant depuis une dizaine d'années et c'est des sujets qui sont extrêmement importants. C'est des sujets qui ont des impacts sur les populations, qui ont des impacts économiques et des impacts géopolitiques. Et donc dans mon travail au quotidien, la dimension environnementale est toujours très présente. Donc oui, c'est un sujet qui est fondamental pour moi. C'est vrai que depuis que je participe à la World Policy Conference, elle est de plus en plus prise en compte. Je pense qu'on peut encore la mettre un peu plus en avant. Dans chaque sujet, finalement, il peut y avoir une dimension climatique, environnementale à prendre en compte. Et c'est vrai que parfois, elle est encore un peu laissée de côté, mais je sens que c'est un sujet qui devient de plus en plus prégnant à cette conférence.